Hop, round 1. Donc Ouais, Bénédicte, il va Bénédicte. crier, il va charger. Plus aux ennemis! Bah, parou, 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 parou. Bon, bah, sorti ton chat. Ah, tu sors, on est un peu loin. Tu sors ta com, bon, ta bah, com coup, de je fais brume. Un double déplacement et puis je vais me placer par là. Et là, il va se prendre 3 sorts dans la toile. Un charme personne. Oh putain, oui. Ah, Altiris. Ah bah, du coup, je me ravance. Et puis je vais lancer. Je vais viser Nesna. Ça a quelle portée les. Les piou-piou. Les piou-piou, 120 feet, je crois, non c'est ah, les traits de feu ou les projectiles magiques ah, non, projectiles très 30 mètres, on t'a dit. 120 feet, t'es, ouais, t'es... Projectiles magiques, vu la distance, tu peux quasiment toujours les lancer. 24 cases. C'est ce qui est un peu énorme, quoi. Oh. Il va pas faire long jeu. Ouais, je crois que Neslan, faut dire que le coup de la boule de feu dans la pièce. C'est déjà pas. C'est bien vu, hein. Il a pris cher quand même. Oui. Salut. Ah merde, salut. C'est vrai, salut. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. T'as mal? Vous avez encore un peu de flamme là sur l'épaule droite. Ça brûle. Ah, ça pique. Ça brûle plutôt. C'est ça. Ah, il aime pas la. Il aime pas la ça du tout. Dommage qu'il ait réussi son check. Par contre, tu vois, Altiris, que du coup. Il m'aime pas. Ah, il te renvoie un projectile magique, dis donc. Il t'envoie des projectiles magiques. Je sais tes matchs. C'est ça. Ting. Ting. Cling. Je sais que j'ai mis ma raquette à projectile magique. Oula, il en envoie, hein. Oh, lui, il est d'un autre niveau, hein. Bon, là, je vais vous laisser, hein. Là, il est l'heure, hein. Il est l'heure. C'est à moi. Le problème, c'est que t'as pas autant de points de vie que lui, hein. Ah, non, ça... Peut-on faire un triple déplacement? Non. Un double, ok. Donc, 10 cases. Niet. 4, 6... Je crois pas qu'il y ait le triple déplacement, hein. Bah, moi, j'ai fait un double, parce que je pensais qu'il n'y en avait pas. Parce que c'est l'action se précipiter qui est. C'est un double déplacement à précipiter. Alors c'est l'araignée qui est là-haut. Qui est une araignée qui. Descend de son pilier. La montagne à cheval. Fait le tour. Attends, on ne peut pas faire de conneries. 1, 2, 3, 4. Elle descend en fait en tournant autour du pilier, c'est ça? Et en fait, plus particulièrement, elle marche au plafond. Et puis elle descend en face de toi, quoi. D'accord. Elle fait combien de cases? Elle fait 4 cases. C'est gros, hein. Comme tu peux voir, araignée géante, ça, en fait, ça se met dans une case et ça contrôle toutes les cases autour. Elle descend avec son fil ou elle descend? Ça prend 3 cases sur 3 cases. Elle descend avec oui, son elle fil. Descend sur son fil, oui. 3 cases sur 3 cases, mais c'est énorme. Ah ben, ah oui. Araignée géante, c'est comme ça. Oh bah max, c'est juste large. J'en connais un, il a survécu, hein. Je vais pouvoir y aller. Non, ça fait pas 3 cases sur 3 cases. Ça prend une case et demie. Du coup, quand tu la places, elle doit être au milieu d'une case. Une case et demie? Mais c'est quoi ça, les cases et demie? C'est pas pour facile la table, de tu te mets où ensuite? En fait, non, elle prend 4 cases. Et après, t'as sa zone de contrôle, mais si je la mets au centre. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Elle était pas là! Ceux qui trompent, si. Non, elle était pas là! Elle fait, pardon, 4 quatre, ouais, quatre cases, ceux qui trompent, c'est le. La zone verte là de. Ouais. La zone verte de. Ah, de. J'ai... De portée! De. Voilà. Et portée. Donc, elle t'attaque, bah, t'es mort, hein, Max. Allez, ça touche! Je sens que j'ai utilisé vite fait la truc de vitalité. Ouais. Moi. Alors, déjà, tu prends une main, voilà. Et puis, est-ce que tu veux faire le G ou est-ce que je te le fais moi? Oh, vas-y, fais-le, parce qu'avec la chance que j'ai, je fais. Le jet de protection. Tu vois, regarde. As-tu le réussi? Voilà. Donc, tu n'es pas empoisonné. Aïe! Le gobelot.
rue à l'attaque. Ah, j'ai pas vu dans le combat tracker. Ouais. Par contre, il faut que j'enlève l'icône à la con, voilà, hop, ah, sur max. Regarde, ouais. Le gobelour t'attaque à son étoile du matin. Il te rate lamentablement. Il ira ce soir. Oh oh oh. Et il te rate aussi le deuxième. Ouais. Alors, je commence à m'approcher. Est-ce que je peux viser d'une javeline le feu noir ? Pas sur une case, Louis. Ouais, bah peu importe. Il y a l'araignée quand même devant, c'est une grande créature. Okay. Quoi. Non, c'est gênant. Ok, bah alors je continue mon déplacement normal, je suis même en de ça. Ouais. Et je vais faire donc un déluge de coups. D'accord. Magnifique. Le deuxième. Première baffe passe pas. Oh ah, superbe. Heureusement que j'ai fait un déluge de coups. La chance est avec vous. Bon, ok, elle fera pas de réaction. D'accord. Ah, tu arrives à lui passer un coup. Ouais. Et elle ne peut pas réagir. Pas plus. Je gueule à Max qu'elle peut pas réagir, je l'occupe. Ok. Gunrun, on va dire qu'il était là. Par contre, Gunreg. Ouais, j'ai oublié Gunreg. C'est un rôdeur. Je me rappelle plus l'histoire de. Il y a un désavantage quand tu tapes en mêlée, sauf quand tu as, je sais pas quoi, là, un don. Je peux pas t'aider là. On va chercher les dons des rôdeurs. Le combat archerie, plus de. Non, bah non, c'est plus de. Il a pas ça. Bon. Bon, bah oui, mais là il a un désavantage. Hein, s'il veut taper. Ben voilà. C'est fait. Ouais, j'aurais dû lui laisser de la place. L'araignée qui est plus rapide. Alors l'avantage c'est qu'elle peut passer au plafond. Facile. Eh oui. Et elle te rate. Et c'est le gobelour. T'as du monde sur toi, hein, Bénédicte, et ça touche là par contre. Prends un coup de masse. Aïe. Aïe aïe aïe. C'est aïe, aïe 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 aïe. Elle essaie de te mordre, mais elle te rate à l'araignée. C'est le moment de lancer ta deuxième boule de feu. Ouais. Maintenant que t'es là. Maintenant que t'es au milieu de la pièce. Je refais un déluge de coup. Oh, ah si, ça touche. Ouais, ça touche. On voit mieux quand même changer les icônes quand même, quand ça touche, quand ça rate. Je fais des Franchement, vraiment, ouais. Vraiment bas. Parce que t'as pu regarder dans le chat en fait, et c'est visuellement, c'est beaucoup pratique. Parce qu'avant, il fallait chercher la petite ligne, là tu cherches que l'icône, c'est plus visible. C'est clair. Oui, alors donc, là, elle a pas de réaction au deuxième, JS de Dex, contre ses... Araignée 14, ouais, je vais regarder. C'est 8 plus ma maîtrise plus mon bonus de Dex. J'ai de Dex 14. Ouais. Bon, je pense qu'elle l'a. Hein. Oh, quoique. Attends, je cherche ses caracs. Dex 14. J'ai fait le deuxième dommage. C'est raté. Et ben, donc là, elle est prône. Ça, c'est intéressant pour vous. Et donc, mon troisième là. Pourquoi il y a... Ah oui, parce qu'il y a le prône. Et il y a le prône, donc ça touche, bien heureusement. Bien sûr. T'avais fait un silence. Ah ben joli. Et voilà. Ah, super, cool. Chaînement, il lui a fait un balayage dans les pattes, là. L'araignée est tombée, et puis oh, Et je fonce sur Neznar. Ok.
N'est-ce pas, Max? En foulant. Moi, je vais aider. Je vais aider. Je vais aller aider comment Bénédicte. Oui. Mais je vais me concentrer sur Clairdon. Mmh. Aznasalaznes. Et je vais en fait utiliser des points de sorcellerie pour enduire mon arme d'un poison. D'accord. Tu vois, t'as les points de sorcellerie. Un grand sorcier. Et je vais me déplacer. C'est une action bonus. Hein. Et je vais me déplacer pour frapper l'araignée qui est ici. C'est bon, c'est scripté le poison, tout ça? Ouais, c'est scripté. Ok. Alors, je te laisse faire longtemps. Je fais un coup. Avec Clairdon. Joli. Parfait. Par contre, celle-là n'est pas. Elle ne sera pas en sournoise, hein, parce que Bénédicte, il n'a pas frappé l'araignée géante, elle a pris des dégâts de la boule de feu. Ouais. Alors, premier. Ça, c'est. Ah merde, attendez, hop, je fais des bêtises. Ça, c'est les dégâts de l'arme. Okay. Et faut qu'elle fasse un jet de sauvegarde DD10. Sauvegarde. Je peux te le faire si tu veux. C'est un jet de constitution. Bah, fais-le, parce que je sais pas ce que c'est comme ça, je vais savoir, mec. Putain de mouche. Pourquoi il y a des mouches en hiver là. Mouche en hiver. Elle rate son jet de protection. Elle rate son jet de protection. C'est bon pour toi. Eh ben, c'est bon pour moi. Sauf que si c'est du poison, c'est une araignée. Elle doit peut-être être immunisée, non? C'est du poison naturel, donc après, faut... Mais figure-toi que les araignées ne sont pas immunisées au poison. Ouais. C'est que je suis en train de voir. Alors, donc elle subit 2d6 de dégâts de poison. Et être empoisonnée. Ah ben. Bon ça. Alors, donc du coup, les 2d6 lèvent là. Et voilà, pas besoin. On va garder que les filles. Allez. J'ai bien aimé le petit son de poison. Ouais, c'est sympa. Et je passe mon tour. Ben joli, déjà vous êtes débarrassé des araignées. Donc déjà tu sens une présence de moins dans ton dos, Bénédicte, ça te rassure un peu. Même si il reste quand même en face de toi deux gobelours. Aïe aïe aïe, plus ils ont de la chance. Ils avaient passé ton armure. Aïe. Aïe. Ouais, là c'est aïe 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 quand même. Hein, aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe 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 aïe. Et alors c'est Neznar d'agir. Que je le retrouve. Ma boule de feu. Où est-elle? Hop. Hop. Merde. Chez Tarn. Ouais. La défense patiente, je sais pas si je peux l'utiliser à n'importe quel moment ou c'est juste mon. Tu entends Neznar quand tu cours vers lui comme ça, il tend la main vers toi. Et il te prononce des phrases dans une langue que tu ne connais pas. Il te susurre. Tu entends sa phrase magique dans tes oreilles. Et. Et à ce moment-là, bah, tu dois faire un jet de sauvegarde sagesse. Bon point fort. Sagesse, ça va. Voilà. Ah non, toujours des jets de merde. C'est l'histoire de ta vie, Louis. J'avais oublié ça, tu sais. J'avais pas ça. Il pensait avoir conjuré le mauvais sort, mais non. Finalement, c'est. Les traumatismes enfants qui reviennent. Ah, c'est l'effet Anders. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, c'est raté. Et en fait, en pleine course, d'un coup, tu t'arrêtes et tu te stops et tu as plus du tout envie de le taper. Quoi. Donc, il te dit paix, mon ami. Plutôt ou je reste là? Ah, bah, tu restes là pour l'instant. Ça marche. Je vais te la foutre, la paix, mon dieu. Il t'a suggéré de ne pas l'attaquer. C'est déjà mieux qu'un champ de personne.
Alors, Gundren n'ayant pas vu 2, 3, 4, 5. Ah bah, s'il peut venir aider pour le gobelot. Ça touche. Et là, attention. Ça peut aider. Oui, il va tous les défoncer. Paf. Oh, ouais. Il est massacré. Il n'est pas mort, il est massacré. Tu as le massacre. Ah, ça tape un rôdeur. Ça tape un rôdeur. Ouais, c'est fou. Oui, c'est pas mal. Oh, qui ça par contre, je vous dis tout de suite, hein, ça tient pas comme un paladin. J'ai un paladin et un rôdeur dans l'autre campagne, l'autre groupe. Le rôdeur fait régulièrement des pauses pour se reposer au sol. En position létale. Il est encore un peu. Hein, Il est souvent à PLS. C'est ça. Avant, il allait souvent au combat avec un gros maillet, c'est un demi-orc. Maintenant, il utilise plus son arc, bizarrement. Je sais pas. Parce que là où c'est puissant, c'est que ses dégâts, là, il peut les faire aussi à l'arc. Oui. Les déduits supplémentaires. Distance en plus, c'est bon ça. Donc, un peu comme le roublard, quoi, ouais. À distance. Ah bah ça envoie. Hein. C'est donc l'araignée que personne n'avait vue qui descend du plafond en montagne à cheval. Et Max. Ah oh, mais c'est pas vrai. Bah elle a vu là où les autres congénères étaient mortes. Hein. Et Max. Mais t'aimes bien. T'as une bonne taille en fait pour. T'as l'air en forme, Max. J'étais pas vraiment en forme. Hein. Quand même. Mais t'inquiète pas, c'est pas une question de forme, c'est juste une paralysie. Vais-je voir encore la lumière? C'est le drame des voleurs. Devant mine. Oh, oh ah, joli. C'est pas gentil super. Ça super. Elle me colle dans sa toile. Tu es enchevêtré, tu es restrained. D'accord. Super. Et m'a craché sa toile d'araignée. Le livre, si tu veux regarder sur tes cartes. Elle était restrained, je sais pas si tu l'as. Attends, je suis sur mon module. C'est les comment les. Sinon, attends, avec HED, c'est encore mieux. Ouais, mais je les ai là. Attends. Conditions. Restrained. Merde, en français c'est mieux quand même. T'es entravé. Je suis entravé. Entravé, la vitesse de la créature entravée tombe à 0, ne peut plus bénéficier des éventuels bonus de vitesse. Les attaques qui te visent ont un avantage, tandis que toi tu as un désavantage pour attaquer. Et tu as en plus un désavantage lors de tous tes jets de sauvegarde de dextérité. Alors c'est scripté, c'est-à-dire l'effet Restrained. Si t'as des jets de sauvegarde d'extérité, ça va les faire avec désavantage. Et ça va perdre tes attaques avec un désavantage aussi. Attends, je vais sortir mes cartes. Je sais pas, là. C'est Altiris d'agir. Tu vois cette araignée qui est descendue. Je sers pour le match. Hein. Partout. Je sers pour le match. Hop. Ouais, vas-y. Ah, bah il est dead. Allez, joli, t'arrives à te débarrasser d'un Aslan. C'est dommage, il avait un petit sort hein, que vous aurez pas aimé. Je suis entravé, c'est ça hein. Oui. Entravé. Mais comme c'est un effet officiel, Fantasy Grand le gère. Hein. Ouais. Alors, il sera né. Donc, c'est à Gundren d'agir. Non, c'est moi. Bénédicte. Oui, non, c'est Bénédicte. Je dis pourquoi j'ai. Ah non, mais c'est que je l'ai, d'accord. Vas-y. Je vais. Un coup de griffe. Un combat rondement mené, moi je trouve quand même. Hein. Franchement, vous avez été bien sorti. Il nous fait pas de la merde, Bénédicte. Ouais, ouais, c'est vrai. Bénédicte, il va atteindre le niveau 5 pour avoir deux attaques. Parce que bon, ça diminue quand même les chances de jamais toucher. Quoi. Ah, c'est bien, c'est l'araignée de ta paire. Ah merde, j'ai passé le tour de Max. Un bruit bizarre. Est-ce que je peux. Parce que la vitesse de la créature entravée tombe à 0, donc j'avais vu, je peux bouger. Oui, tu peux quoi. Pas te déplacer. Mais comment je fais? Bah, tu restes là où t'es. C'est que je peux pas bouger donc. Tu peux pas bouger. Tu peux faire ce que tu veux, mais tu peux pas bouger. Et tu ne peux attaquer qu'avec. Des armes à distance quoi. Tu as des armes à distance et tu ne peux attaquer et ça va se faire avec un désavantage.
Même, d'accord, ok, bah je vais essayer avec mon arbalète, alors à ce moment-là, je prends mon arbalète et tirer sur l'araignée qui m'a... Ouais, tu vas voir, normalement ça va se faire tout seul. D'accord. Le malus. Alors, on va voir ça. Alors, pof, un coup d'arbalète. Ah, ça le fait, ouais. Et ça touche quand même. Et ça touche. Putain. Allez, secours, aidez-moi. Alors, par contre, évidemment, elle n'est pas... Travée. Tu jettes... Elle a un avantage, en plus. Avec un avantage. Elle attaque un avantage, putain. Elle va t'attaquer avec un avantage. Allez, au secours. Max, il est mal. Oh, oh putain, double miss. Oh la vache. Oh la vache. Il y a un dieu pour les hobbits, quand même. Ouais. au secours. J'ai un cousin qui a failli mourir comme ça. Hein. Gondrette se retourne et... il évite de marcher dans la toile et puis il vient à ton secours. Tiens bon petit homme. Abonnant de nez, ça l'a pas. Et j'essaye de me débattre hein, dans la toile. Hein. Et il rate. C'est pas possible. C'est dommage. Chez Tarn, tu n'es plus sujet suggestionné. Ok. Bon, Bénédicte, il est quand même malin. Donc, tu reprends des esprits là, t'as eu un passage à vide d'un coup là, tu sais plus ce qui s'est passé. Oui. Ouais, c'est ça. Et je fonce sur le gobelours et on va faire un déluge de coups aussi. Ça touche. Oui, et donc en fait là on va le mettre prône. On sait comme ça. Donc un jet dextérité sur. Ouais, faut que tu fasses 14. Index. 14. Réussi. Oh là, bon, d'accord. La vache. C'est, ça, hein. C'est comme ça la vie. Hein. Ça. Ça touche par contre. Et deuxième attaque. Donc là il est. Là je repousse de 4m50. Mais bah, il va se prendre la porte derrière. Hein. Il se pousse, oui. Là où il peut. Je peux le repousser, je le repousse loin de Bénédicte. Bah, le but c'est de me mettre entre Bénédicte et lui. Tu peux le repousser vers là quoi. Ouais. 1m50, 3m, 4m50, donc il est là. Et pourquoi tu l'écartes? Je veux qu'on me batte! Ouais, c'est ça, avec du sang sur le visage partout. Je continue mon déplacement, je fais la troisième. Il continue. Et la troisième, c'est le choix. C'est ça. Ouah, c'est calme le survivant quoi. Il est pas prône en fait là. Non, puisqu'il avait réussi son jet pour. Ah non, c'était pas celui-là. Oui, il avait réussi. Donc attends, t'as fait 3 attaques normales, 2 attaques spéciales. Tu comptes t'arrêter à un moment donné ou non, c'est comme non, ça, mais c'est un déluge de coups. J'ai c'est des Ken le survivant, c'est Ken le survivant chez Tarn. Chaque attaque réussie peut faire un effet. Et il est niveau 4. Je vais faire bobo à la tête. C'est au gobelour d'ailleurs de répliquer. Mais j'ai surtout que ça pour l'instant. Hein. Enfin, ouais. Une parade de projectiles. Ouais, j'ai que ça, c'est genre j'ai que ça. Tu bouges trop vite pour lui. Il bouge trop vite pour lui. Si tu es optimisé, j'ai pris une race qui est quoi qui est cool pour ça. Ouais. Au secours, allez-moi. Donc là, t'es à poil, c'est ça. Je vais jusque là. Ah, tu vas looter le corps pendant que. Avant que Max soit libéré. Tu peux pas faire ça parce que tu es dans la zone de contrôle de l'araignée quand tu passes. Ah, pardon. Mais si, il peut faire ça, il faut juste qu'il voit ce qu'il donne. Je vais tirer sur l'araignée. Pardon, j'avais pas vu qu'elle était. C'est pas ça qu'il fallait dire, Franck. Il fallait dire ok, y'a pas de soucis, au passage, elle te chope. Y'a pas de problème, elle te croque au passage. Ah. Ça touche. Elle est pas sans réaction. Hein. Ouais. Là.